le projet de fin d'études que l'on met en place chaque année. C'est ce que nous appelons un projet annuel. Ils travaillent par groupe sur des projets qu'on appelle d'envergure, que l'on met en place avec des entreprises du secteur informatique. Ce qu'on attend au niveau des élèves, c'est une vraie implication et surtout une concrétisation de projets qui sont vraiment réels. Ce qu'on attend de SPI-ICS sur ce partenariat, c'est justement nous apporter des idées de projets concrets, de suivre et d'aider nos étudiants aussi bien techniquement que mûrir, comme on a dit, sur l'ensemble de ce parcours. Le retour d'expérience qu'on a eu cette année, c'est un retour très positif. Ils se sont pris au jeu à 300%, ils avaient vraiment envie de se donner. Et ce qui a été très très apprécié, c'est le côté solidaire. Ils se sont tous aidés. Au final, ils ont tous proposé des projets très différents. Alors, ils s'accrochent effectivement au jeu. On a un public qui est très joueur, des gamers, ça c'est sûr. Ils ont énormément le goût du challenge, mais ils l'ont aussi en entreprise, et ça c'est gage de qualité pour la suite pour eux. Effectivement, rien ne vaut le learning by doing. Faire, c'est bien, mais faire pour faire quoi? Eh bien, c'est aussi important, voire encore plus important. Faites confiance aux personnes qui vous encadrent. Elles savent où elles veulent vous amener. Il y a toujours une finalité, qu'elle soit technique ou qu'elle soit personnelle, professionnelle.